Rebondissement dans l'affaire Marwan Berhemi. L'acteur de 34 ans, porté disparu depuis le 3 août dernier, est suspecté d'avoir été impliqué dans un accident de voiture à Mâcon, Saône-et-Loire, à la suite duquel il aurait pris la fuite. Un véhicule avec des papiers portant son nom avait été découvert abandonné 2 jours plus tard à quelques kilomètres de là, mais le jeune homme, lui, demeurait introuvable. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, citées par Le Parisien, les gendarmes de la compagnie de Villefranche-sur-Saône ont découvert ce jeudi après-midi la dépouille d'un homme dans une maison inhabitée depuis plusieurs mois à Corcelles-en-Beaujolais, Rhône, la commune à proximité de laquelle avait été retrouvé le véhicule. Si le corps n'a pas encore été formellement identifié, il pourrait s'agir de la dépouille du comédien de Plus belle la vie. Comme le révèle Le Parisien, l'hypothèse d'un suicide serait envisagée selon les premières constatations. La procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a confirmé au journal la découverte d'un corps, sans identité pour le moment, et annonce avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Marwan Berhemi, volatilisé dans la nuit du 3 au 4 août cette nuit-là, non loin d'une boîte de nuit à Mâcon, une femme de 37 ans est renversée par une grosse voiture style 4x4 alors qu'elle traversait un passage piéton. Le chauffard prend la fuite et la victime s'en sort avec 13 fractures aux côtes, à la clavicule et au plancher pelvien. Elle présente également un pneumothorax, affaissement du poumon, et des lacérations au foie et au poumon. 2 jours plus tard, un véhicule correspondant à la description et identifié comme appartenant à Marwan Berhemi est retrouvé abandonné à 5 km de Corcelles-en-Beaujolais. Si est-il dans cette même commune qu'a été retrouvé le corps sans vie d'un homme ce jeudi? Affaire à suivre. I just need